Allez, salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode de Sons of the Forest. Et les amis, aujourd'hui je vais vous proposer du contenu, hein, je vous le dis, hein. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi tu te reposes ici, mais c'est sympa, écoute, si tu chill, tu vas me suivre. Aujourd'hui, un épisode riche en contenu, vous allez vous régaler, on va se régaler ensemble. Aujourd'hui, on va de nouveau rentrer dans la grotte, messieurs, dames. Alors j'ai pas fini la maison mais c'est pas grave, en tout cas c'est notre petit coin de paradis par ici. On va se rendre dans la caverne à côté du point d'intérêt, vous le savez, on va y aller. Malgré qu'il fasse froid etc, il faut en profiter parce que les amis, justement, c'est le bon moment. On a de la nourriture sur nous en masse, on a de l'eau également en masse, on a des armes, on a des explosifs. Beaucoup moins de mutants a priori puisque eh bien il y a de la neige et il fait froid. Donc les amis, c'est le bon moment pour y aller. Et pour se faire plaisir. Puisque souvenez-vous, dans la seule grotte dans laquelle on est rentré, la vraie grotte avec les méchants, il y a deux ou trois épisodes de cela, il y avait un gros mutant qui était bloqué dans des murs, souvenez-vous. Bon, eh bien les amis, il s'avère qu'aujourd'hui on a du C4, on a des explosifs. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on rigole. Mais j'ai pas pris la bâche sur moi. Ah non, mais je crois que j'en ai une en plus. Oui, si, j'ai une bâche en plus sur moi, c'est bon. Donc les amis, c'est le bon moment pour y aller. Voilà, et puis en plus au moins comme ça on redécouvre ces endroits-là mais sous la neige. Peut-être même que sur le chemin on va découvrir des choses intéressantes, je ne sais pas. Bref, Kelvin, il est toujours avec moi. Ok, là par contre on va avoir froid. C'est pas grave, dans tous les cas on a déjà froid. Allez hop, on se réchauffera, vous inquiétez pas. Et puis il faut en profiter puisque c'est vrai que qui dit de la neige et de la fraîcheur dit qu'en caverne on aura quand même bien plus chaud. Il fera bien meilleur dans les grottes. Donc en fait c'est vraiment le bon moment je pense. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on ait la pelle, il faut qu'on ait voilà, plein d'outils, etc. Je me suis pas spoilé, j'ai vu voilà, les gars, dès le lendemain de la sortie du jeu, il y a plein de tutoriels avec des astuces pour retrouver, enfin bref, les localisations de certaines choses. Je trouve ça assez aberrant que le lendemain de la sortie d'un jeu, les mecs ils font la course aux vues pour avoir les solus. Alors c'est une bonne chose parce que quand on est bloqué, c'est quand même bien d'avoir des solus. Mais dès le lendemain de la sortie du jeu, je trouve ça un peu aberrant. En tout cas, bah, c'est bien si des gens en profitent, c'est l'essentiel. Moi je ne me spoil pas. Si vraiment au bout du 20ème épisode on n'a pas trouvé de pelle, évidemment qu'on se spoilera. Mais vous inquiétez pas que d'ici là on aura trouvé ce qu'il nous faut. Parce que The Forest à la base c'est quand même un jeu. Même si je prends mon temps, encore une fois on dirait que je suis un novice. Je prends mon temps parce que j'apprécie le jeu et j'aime bien faire un petit peu de la entre guillemets découverte. Même s'il y a des mécaniques maintenant que je comprends. Mais j'aime bien toujours avoir l'air un peu idiot. Mais voilà, à un moment donné je sais jouer, je sais faire de la survie sur ce genre de jeu là. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera vraiment pas un problème. Ok, donc on s'approche tranquillement de la caverne. C'est vrai qu'on pourrait utiliser la résine d'imprimante qu'on a pour aller dans la caverne d'imprimante 3D là. Mais bon, vas-y, la flemme. Faut qu'on fasse un détour, faut qu'on aille plus loin, c'est un petit peu chiant. Donc on va directement aller dans la caverne. Rassurez-moi, c'est celle-ci hein. Si je dis pas de bêtises. J'ai eu peur, j'entendais des bruits de pas derrière moi, mais c'est Kelvin. Attends, c'est bien celle-là la caverne? Non? J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Mais non, je suis jamais rentré dans cette caverne là, si. Ah si, c'est celle-là. J'ai un trou de mémoire. Mais non, je crois que je confonds. Ah, je vais en profiter pour manger. Je crois même pas que c'est cette caverne là dont il était question. Attendez, je me suis fait couillonner là. Je me suis fait couillonner. Ah non, la caverne elle est plus haute. Bon, je sais pas. Et dans tous les cas, on s'en fout. On va rentrer dans cette caverne là, on verra bien. Et de toute façon, il faut qu'on rentre dans une caverne. Bon, je me suis peut-être trompé de caverne, mais c'est pas grave. Écoutez, on va rentrer dans la première qui est là. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ok. Ah si, c'est peut-être celle-là, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Bon, on ramasse les conserves. Nourriture, il n'y a pas besoin de manger directement. Donc on ramasse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Ah si si, c'était bien là qu'on était hein. C'était bien là qu'on était. Alors ce qu'on va faire directement non, faut que j'arrête de faire ça. A chaque fois je me trompe pour faire un feu. On a juste besoin. Mais en soi, mais non, attendez, j'ai juste besoin de faire ça. Ça plus tissu. Complet. Comment ça? Ah, j'ai déjà lance artisanale. Bâton paralysant. Quoi? J'ai un bâton paralysant. Eh les gars, je suis désolé, je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest, je découvre que j'ai des trucs. C'est honteux. C'est honteux. Je suis sûr que vous avez crié en commentaire que j'avais ce qu'il fallait pour me défendre. Bref, le flambeau, c'était ça que je voulais. Et ça, ça réchauffe. Voilà. Vous voyez en bas à droite, ça réchauffe. Ouais, j'ai un pistolet paralysant. Depuis le début, je pouvais me...
Depuis le début je pouvais me protéger avec. Parce que attendez, le pistolet paralysant, c'est infini. Ah non, il y a une batterie là visiblement en dessous. Ok. Alors. Ok, on a déjà été là. On a déjà été là, c'est la caverne. Ok, très bien. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a encore les méchants ou pas? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils ont respawn ou pas? Moi je pense pas. Moi je pense pas. On va y aller. Il y a des os déjà. Ok, je suis full. Il y a personne, c'est bon. Ah si. Ah si si si. Bon, on va aller là-bas. On va aller là-bas direct. Oh putain, c'est pas vrai. Ok. Et c'est là qu'il y a le mutant. Voilà. Alors par contre là j'ai un peu peur que les vilains viennent. Je me chie un peu dessus. J'avoue, j'ai pris la confiance, mais je me chie de nouveau dessus. Alors ce qu'on va faire, déjà, voilà. Là, le mutant, on a de la bombe. Je lui envoie dans la gueule et on va voir. Ça pète et ça marche. Ok. Ok, je peux passer. Je peux récupérer des jambes, génial. Oh, c'est dégueu. Ok, bon, ça marche. Par contre, je vais reprendre à manger. Pas à manger, à de l'énergie là. Il me faut de l'énergie là. Oh putain, j'ai pris à manger. Je savais que je suis débile. C'est pas grave. Il faut que je bois et donc j'en profite pour prendre boisson énergisante. Comme ça, au moins, je me mets full. Voilà. Je suis très concentré, les amis. Là, je vais vous proposer quelque chose de propre. Enfin, un maximum propre. Là je sais pas ce qui nous attend. Bon, j'ai un pistolet paralysant s'il faut. Encore faut-il que je sache m'en servir. Enfin, pistolet paralysant, tu m'as compris. Ok. Ok, bonjour. Ok, il y en a qui dorment là. Ils ont l'air de dormir. Ils ont l'air aveugles. Il y a de la corde. Oh mon dieu. Oh putain, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok, ils sont des millions, ils sont des millions, ils sont des millions. Oh, il y a des mutants et tout. Oh, laissez-moi, laissez-moi. Bon, je taille. Oh, j'ai peur de passer. Oh, il y a tellement de mutants, quoi. Wesh. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est la foire aux mutants. Bon, je me barre. Ça sert à rien, je peux rien faire. Oh, il y a les bébés, le retour des bébés. Le retour des bébés, il n'y a pas des trucs à prendre là? Attendez, attendez. Ah! Ok, je me fais victime. Je me fais victime, bolos. Je sais pas où je vais. Oh mon dieu, mais quel enfer ce jeu! J'y arrive pas. Hein. Je vais jamais m'y faire. Je sais pas où je vais. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'ils sont tellement nombreux. Ils sont quand même beaucoup plus nombreux que sur The Forest à chaque fois. Et j'ai pas de quoi les fumer, quoi. Oh non. J'ai pas de quoi les fumer, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est que je meurs pas de froid là dans les grottes. Et ça, c'est cool. Ça fait un petit avantage quand même. Je suis en train de m'enfoncer, frère. Attends, je vais revenir par là parce qu'il n'y a pas de méchants. Autant profiter. Enfin, y a pas de méchant, y a pas l'air d'avoir de méchant. Donc c'est de là-haut que je viens, y a rien à récupérer là. J'ai dû passer à côté de certaines choses, mais on pourra toujours revenir, vous inquiétez pas. Moi je veux juste voir où c'est que ça mène tout ça. Parce qu'on connaît. En général, quand tu vas au bout des grottes, hein, c'est pas au milieu des grottes qu'il y a des trucs intéressants. Enfin, il doit y avoir des trucs aussi, mais c'est quand tu vas au bout des grottes, y a toujours une récompense. Oh non. Oh non. C'est pas vrai. Allez, je continue, je m'en bats les steaks. Oh purée.
C'est pas vrai. La lumière. La lumière. Qu'est-ce que c'est ça? Oh mon dieu. Lâche-moi, tu vas regretter. Lâchez-moi, vous allez regretter. Vous allez regretter, je vous le dis. C'est bon. Je me chie dessus. Putain, mais ça mène bien quelque part. C'est gigantesque. Et par contre, bravo. Hein. Bravo, parce que c'est gigantesque. Il y a des ouvriers qui sont pendus partout. Là, c'est des bébés, ça va, c'est bien. Les bébés, je connais. Wesh! Ils font ultra mal. Ils font ultra mal. Il en reste encore un, vas-y. Oh ouais, ils vont vite. Ah oui, d'accord. Wesh! Oh non, c'est improbable. Et je vous jure que ça, par contre, ça a tendance à m'énerver, ça. Ça a vraiment tendance à m'énerver, hein. Ça peut très vite me faire dire une connerie sur ce jeu, d'accord? Non, vraiment, hein. C'est pénible. C'est pénible. Déjà qu'on voit rien. Bon, on est de retour, on connaît cet endroit, c'est bon. On a juste à refaire tout le chemin, c'est génial. On a que ça à faire. Oh purée. Je peux très vite dire une bêtise sur ce jeu dans ce genre de situation, hein. À un moment donné, faut pas me prendre pour un jambon, hein. Sérieusement. Le problème, c'est que le briquet, il éclaire rien. J'ai pas de lampe. J'ai pas de lampe poche, on est bien d'accord. On crée plus que j'ai une lampe de torche et que je suis pas au courant. Livre sur les trucs parallèles, machin. Mais quoi? Mais laissez-moi regarder mon inventaire au moins, je viens de respawn. C'est pas possible. Je veux bien utiliser ça. Je sais même pas comment ça marche. Je suis sûr que ça marche même pas en plus. Bon, de toute façon, on sera vite fixé. Allez, on y va. On sera vite. Oh putain, on sera vite fixé. Wesh. On sera vite fixé, messieurs, dames. On y retourne. Bon, au moins, on a de nouveau un maximum d'endurance. Et on va faire un test, de toute façon, si ça marche ou pas. Regardez bien. Ça va aller très vite. Salut, toi. Voilà, ça marche pas. Comme ça, ça s'est dit, c'est fait. Ça ne marche pas. Allez, hop. On s'arrache. On n'a pas d'armes sur nous, c'est superbe. Voilà. Allez, salut le mutant. Là, il doit courir plus vite que moi. Il va me choper par le callback. Je l'entends derrière. Oh purée, hein. Oh purée de pommes de terre. Là on va dans les backrooms. Alors je dis ça, hein, c'est pour faire un peu le boomer. C'est parce que je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref moi des backrooms. Ok, y a tout qui s'éboule, non mais c'est une blague. Eh, foutez moi la paix. C'est même pas là que je suis allé tout à l'heure, si. Ah si. Ok, donc là on continue. On prend un peu d'énergie quand même. Voilà. On suit le cours d'eau. Jusqu'ici tout va bien. Vaudra peut-être mieux que je prenne ça en fait, hein. Parce que de toute façon. Ah. De toute façon, comme je j'utilise pas ma hache. Allez, salut les losers. Salut les nullos. Salut. Il y en a, ils sont aveugles, hein. Ah! Oh purée. Oh purée de pommes de terre. Non vraiment, je me chie dessus. Arrête. Grosse merde, va. Et ils suivent super loin. Ils suivent super loin. Sur The Forest, je me souviens, ils avaient chacun leur zone attitrée. Aïe! Putain, c'est pas possible. Ah! Allez, cours, 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 cours. Oh là là. Oh là là. Je me chie dessus. Où c'est que je vais? Là c'est un vrai jeu d'horreur, hein.
Oh, c'est pas fini. Et je vois rien. Je pense que vous non plus. On voyait presque mieux avec le briquet. Oh là là. Ça se sépare en deux les chemins en plus. C'est insupportable. Bon, je vais à droite. Hein. Très bien. Bonjour. Un papier. Missing. Ah bah c'est le milliardaire disparu. La famille Pufton. D'accord. C'est génial. Ouais, on va se détendre. Ouais. Bon, on va se faire un feu. Oh, je suis pas bien du tout. Hein. Je suis pas bien du tout. Ah. Ouais, bon, d'accord, il a rien compris. Allez, purée de pommes de terre. Pardon. Je suis fâché, hein. Je vais être fâché dans cet épisode. Ok, allez, hop. Fais un peu de lumière. Voilà. Redonne-moi là les bâtons. Voilà. Redonne-moi la hache. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de raccourci clavier pour équiper sa hache directement, quoi. Ça, c'est regrettable. Bon, allez, on va prendre l'autre chemin. On voit rien du tout. Bon, en fait, c'est mieux que le lance-flamme en vrai. Allez, on va aller par là-bas. Bonjour. Je viens en paix, hein, on dirait pas comme ça. Oh là là. Bonjour. J'insiste. Je suis poli. Oh, purée des bébés. Les bébés, ça va en vrai, hein. Mais quand même. Allez, je vais à droite. Oh, c'est pas vrai. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est gigantesque. Encore des bébés. Encore des mutants. Ah, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et on a un pistolet. Et on est à l'endroit du grappin. Ouais, c'est ça. D'accord. On est à l'endroit du grappin, les gars. Par contre, le bébé, il va me... Je prends un grappin, je m'en bats les secs, je sais pas où je vais. Oh purée. Oh purée, je sais pas dans quoi je m'embarque. Ah. Ok, j'ai vu un mutant à 5 jambes, là. Oh purée. Oh purée. Mais dans quoi je me suis embarqué encore? Je me casse. Par contre, du coup, je viens de récupérer un pistolet. Ah mais c'est... Attendez, c'est une sortie grotte? Pas du tout. Je suis dégoûté. Si? Non? Si. Oh purée. Oh, dis-moi qu'on sort d'une grotte là. Je t'en supplie. Il fait nuit mais je m'en bats les steaks. Oh, Kelvin est là. Et il fait nuit. Les mecs, attendez, qu'est-ce qu'on a récupéré là? Là j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir. Résine d'imprimante, ça c'est chouette ça. Pistolet à corde. Localisateur GPS. Flèche en fibre de carbone. Bon, ça c'est pour les arbalètes et tout, les flèches et tout. Oh, il y en a plein de grenades, je le rappelle. Eh, c'est vrai qu'on a des grenades, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Rail de pistolet. Ça fait quoi si je combine les deux là? Ah, je peux te démonter, d'accord. Par contre, on a le lance-pierre. On a un grappin en fait. Pistolet à corde, c'est le grappin. C'est le fameux grappin qui va nous servir pour beaucoup de choses. Je sais pas encore quoi. C'est pas l'appel qu'on voulait, mais c'est déjà pas mal. Alors, ce qu'on va faire, les amis. Hein, parce que je sais pas où on est. Et parce que je sais pas comment on a fait pour survivre. Alors hé, franchement les gars, j'espère que vous serez j'espère que vous serez clément avec moi. Parce qu'on n'a pas fouillé la grotte, hein. Vous voyez ce que je veux dire. On a rushé et on a eu de la chance d'ailleurs de tomber sur le grappin. Je pense qu'il y a d'autres trucs dans la grotte. Ça se trouve il y avait l'appel. Si ça se trouve il y avait l'appel. Mais j'espère que vous serez clément avec moi et compréhensible. Compréhensible. Parce qu'à un moment donné, ok, on est rentré dans la grotte par là et on est ressorti ici, ok. Bon, on est juste à côté, quoi. Alors là, ce qui serait chouette, c'est de dormir. Ok. J'espère que personne va me faire chier. Allez, dors. Superbe. Réchauffe-toi. Oh, la strat stratosphérique. Bon, on a
réussi quelque chose quand même, mine de rien. Je sauvegarde parce que là quand même, hein, on est sur quelque chose de pas mal. On est sur le 12e jour. C'est pas mal, on va laisser le feu ici. Il y a des indigènes qui arrivent. Comme si on avait que ça à foutre. Non, là par contre j'ai entendu. Oh non, il y a des mutants à l'air libre. Viens, on se casse. Viens, Calvin, on se casse. Calvin, viens, on se casse. Non, c'est pas vrai. Il y a déjà des mutants à l'air libre là. Sincèrement. Vraiment là. Il y a vraiment les mutants à l'air libre. Oh mon dieu. Ok, il y a quand même du gibier dans le. Ouais, bon, d'accord. Oh. On a bien fait de passer par là. Allez, superbe. Eh, c'est une blague hein, quand même. Hein. La vie, c'est une blague. Hein. Je vais retourner à. Ah, j'ai envie d'aller au. En fait. Ah, la bruit de la neige, ça fait peur. En fait, j'aimerais bien en profiter. Notre base, elle est là-bas. Aller au point d'intérêt là-bas, le point vert. De toute façon, dans tous les cas, on est dans la merde. On a encore. Enfin, on est dans la merde. On n'a pas. C'est pas comme si c'était une aventure Minecraft où on a des coffres et tout, tu vois ce que je veux dire? Dans notre base, on a rien quoi. Donc autant y aller direct là. Hop. Très joli écureuil, c'est très mignon les écureuils. On va en profiter là, le jour se lève, il fait froid dans tous les cas. On va se réchauffer au fur et à mesure. On va aller au point d'intérêt là-bas. Comme ça, on va découvrir peut-être quelque chose, qui sait. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on explore la map, on n'a pas le choix. Les grottes, l'extérieur, on fait ça un peu comme on peut. Dans tous les cas, on n'a pas le choix d'affronter, enfin d'affronter ou de fuir surtout les mutants, etc. Je crois que on pourra jamais être vraiment tranquille. Donc tout ce qui va être construction, décoration, tout ce qui est secondaire, je crois que ça va un petit peu attendre parce que là, en termes de tranquillité, c'est zéro. Donc voilà, vraiment les amis, j'espère que ça vous plaît. Je compte sur vous évidemment encore et encore pour bombarder cette barre de like et je vous remercie énormément pour vos retours. Encore une fois, j'ai les premiers commentaires, les premiers retours sur les premiers épisodes et ça me fait très plaisir. C'est toujours comme ça en général, le premier épisode il est toujours beaucoup vu et les épisodes suivants ils sont un petit peu moins vus, mais ça je suis désolé. On s'en va, pardon. Oh, c'est beau. Eh, par contre, ils nous voulaient pas de mal eux hein. Ils voulaient juste qu'on s'en aille. Pas de problème. Pas de problème. On s'en va. On va pas chercher plus longtemps. Bref, oui, donc voilà. C'est quand même un des meilleurs démarches de ma chaîne YouTube, hein, ce let's play. Et ça, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un truc de malade. Jamais j'ai fait un aussi beau lancement de let's play. Et voilà, vous êtes vraiment des boss. Hop là, on passe dans l'étoile d'araignée. Vous êtes absolument adorable, voilà, sachez-le. Pas tout le monde, mais une grande partie. Bref. Ah, c'est pour ça, là, j'hésitais en fait à aller soit à l'imprimante et confectionner une luge ou un truc comme ça, mais je crois qu'on n'a pas assez. Oh merde, mais là, il faut qu'on monte, on va se retrouver... On va se retrouver débile, là. Bon, ma barre de froid, ça va. Niveau nourriture, j'ai de la viande, mais elle va pourrir, là. Ok, bon, on va en profiter. Ici, on est pas mal là. Ici, on est plutôt tranquille. On va se faire un petit feu. On va faire cuire la nourriture avant qu'elle soit pourrie. D'accord. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment chouette quand ça fonctionne. Ah, voilà. Moi, je trouve ça bien les mécaniques. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Il y a des trucs qui font que. Bah, c'est la merde quoi. Tu peux pas. Pour ceux qui jouent, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais tu vois là il faut que je fasse ça, que je reprenne ma hache. C'est terrible, c'est absolument terrible. Alors est-ce qu'ils vont améliorer ça? Rendre plus réactif les choses, j'en ai pas la moindre idée. C'est beaucoup plus réaliste, ça c'est clair. Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est bien aussi. Et niveau maniabilité c'est un peu complexe. Et comme dit avec tous les monstres qu'on a affrontés dans les grottes, vous avez vu je peux rien faire. Non seulement on voit rien et en plus de ça bah le mieux. De toute façon quand tu peux pas. Quand tu peux pas affronter, il faut fuir. Ça, c'est la règle de base. Et ça m'a l'air bon là, non? C'est noir.
Non, c'est pas tout à fait noir. Ah si, c'est cuit là. Allez, let's go. Mince. Allez, on va se péter le bide là. C'est très bien. Et le dernier pour la route. Allez, viens, on se barre. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on se barre. On va remonter la... on va remonter la pente. On va remonter la pente. Eh, c'est une belle phrase ça d'ailleurs. Mais j'aurais pas dû descendre du coup, ouais. On va remonter la pente et on va aller à ce point vert. Mais c'est vrai que la map est très grande. Et c'est une très bonne chose. Ok, des bâtons. Et je suis de nouveau épuisé. Ça, c'est un truc qui est assez compliqué. Hein. Être épuisé comme ça. Mais remarque là. Alors bon, il fait super froid ici. Hein. Mais là, je pense qu'il y a quand même moins de méchants là. Non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je me dis, c'est quasi impossible qu'on tombe sur des vilains. Et en même temps, ce serait pas impossible non plus. Je pense que mon avis est erroné parce qu'il neige. Là, s'il neigerait pas, je me dirais, oh là, c'est le spot parfait pour les... Ouais, j'ai vu un mec là-bas en bas. J'ai cru voir un personnage en bas et c'était pas Kelvin. Bon, on se rapproche. Oh purée, il y a un village là aussi, regardez. Quoi? Non. Bon. Oh. Ah oui, d'accord. Oui, oui, bah viens, viens, on s'en fout d'eux. On s'en fout. Ah ouais, non, mais là, ils ont... D'accord. En fait, c'est la guerre des clans, là. Ouais, bon, je retire ce que j'ai dit, du coup. Hein. Je retire ce que j'ai dit, il y a des méchants partout. Allez, on se barre. Ah ouais, d'accord. Moi, je pensais qu'on pouvait le libérer et tout. Que dalle. Que dalle, c'est un des leurs. Enfin, en fait, c'est ça, il y a les mutants, il y a les indigènes, visiblement. Mais parmi les indigènes, il y a plusieurs factions. On dirait bien. Il y a ceux qui sont aveugles, ceux qui ont plusieurs jambes. Il y a plusieurs variants cette fois-ci. Avant, sur The Forest, il y avait les indigènes et les mutants. Les indigènes, ils étaient tous ensemble. Et les mutants, alors il y avait aussi les cannibales d'ailleurs. Mais les mutants, voilà, il y avait différents types de mutants, mais bon, voilà, c'était pas complexe. Là, maintenant, j'ai l'impression que il y a plusieurs tribus, en fait. Dans tous les cas, ils sont tous contre nous. Mais il y en a qui sont... qui ont l'air plus sympas que d'autres. Bon, c'est un peu particulier. Bon, Kelvin, continue de me suivre. Et je suis désolé, je me rends compte aussi en faisant les montages. Je parle beaucoup de Kelvin en fait. J'ai l'impression tout tourne autour de Kelvin. J'en suis désolé. J'ai l'impression de voir des... Attends, on va goûter ça. Ok. Est-ce que j'ai encore une boisson énergisante? Oui, j'ai, parfait. Alors quand je mange des baies, je viens de remarquer que ça me redonne de l'énergie aussi par rapport à la fatigue, donc ça c'est pas mal. Bon, la boisson énergisante fera le taf. Voilà, donc je vais prendre ça, et là normalement, voilà, ça reprend direct. Voilà, superbe. Alors si jamais il y avait un petit point d'eau là, est-ce que ça vaut le coup d'aller vérifier? Ouais, d'accord, il y a des cannibales. C'est pas un point d'eau. Très bien. Ah, ça devait être un point d'eau, mais il a fondu. Allez, on arrive au point d'intérêt. Oh, il fait beau. J'adore quand c'est clair comme ça. Magnifique. Ok, on y arrive. On y arrive. Donc en théorie, ce sera une zone safe. Je l'espère. Hein. Ah ouais, d'accord. Très safe la zone. Très très safe la zone. Bon. Ok, Kelvin, reste discret, reste discret. Reste discret, on va s'infiltrer. Oh putain, sa mère la... Ouah, je me suis chié. What?
Ah oui non mais d'accord. Non mais frère c'est trop. Bon on va rentrer dans le village. Ça sert plus à rien de se cacher. Oh mon dieu. Allez sors le gun. On sort le gun là, on s'en bat les steaks. Allez venez voir. Venez voir là. Vous allez voir. Alors toi dans un premier temps. Hop headshot. Oh purée. Oh purée. Ah j'ai plus de balles. Ah c'est chouette ça. C'est chouette ça. C'est vraiment chouette. Bon comment je suis censé paralyser avec ça moi. Ah c'est chouette. C'est vraiment chouette de pouvoir se battre avec que dalle. Kelvin t'es où? Kelvin il s'est barré, il en a rien à péter. Attends bouge pas, j'ai ce qu'il faut. Tiens. Ouais d'accord. Tenez cadeau. Oh là 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 là. Ok. Ouais t'as raison toi, viens voir. Oh ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué. Je suis un petit peu sourd, excusez-moi. Il a l'air HS. Par contre j'ai pas fumé tout le monde là. J'ai pas fumé tout le monde, ils se sont barrés. Alors de la corde. Ok. Bon déjà si c'était un point d'intérêt c'est qu'il y a quelque chose à trouver hein. Ah ouais d'accord. Je peux m'asseoir. C'est chouette. Là. Ok. Un caddie de golf. Des pièces. De la corde. C'est avec ça que je peux me fabriquer c'est avec ça que je peux me fabriquer une armure. Attendez. Je prends tous les os. Je mets du Shatterton. Et il me manque encore un truc. Mais c'est un truc de malade. C'est ça qu'il me faut. Pourquoi ça ne marche pas? Je dois rater quelque chose dans la confection de mon armure hein. Je ne comprends pas quoi les amis. C'est sous nos yeux. Armure d'os. Il me faut la corde. C'est avec ça qu'on fait, avec du fil. C'est pas possible. Ah ils reviennent. Ils reviennent peut-être. Non pas du tout. Très particulier. Est-ce que ça met le jeu en pause quand je fais ça? 3, 2, 1. Ah, ça a l'air de mettre le jeu en pause. C'est bon à savoir ça. Ok. Ah si, il est mort lui. Wesh. Ouais, c'est gelé. L'eau, elle est gelée. Salut mec. Bah alors on est nul. Bon lui au moins je peux le fumer comme ça je pense. Voilà, j'ai la technique sur les monsieur en rouge. Ça, ça sera facile. Faut attendre qu'il me saute dessus. Et après je peux le fumer. Par contre lui. Mais c'est qui s'assoit en plus. Mais, non, mais y a des... regardez toutes les factions qu'il y a. What? Oh purée, bon de toute façon lui j'ai déjà mis un headshot tout à l'heure hein. Te relève même pas mec. Il pense même pas. Non te relève pas je t'ai dit. Eh ils sont trop balèzes hein. Ils sont trop balèzes hein. Mais regarde moi ça frère. Mais te relève pas en fait. C'est bon. C'est bon qu'est-ce que je suis censé trouver là. Qu'est-ce que je suis censé trouver? Je comprends pas ce que je dois trouver ici. Et ça c'est un petit peu embêtant. Alors j'essaie d'avoir les yeux partout. Le problème c'est que là les amis vous cherchez peut-être ce qu'il faut. Et moi en attendant j'essaie de me défendre alors. C'est pas évident. Ils ont leur petite tente. Oui oui bah ça va. Par contre je pense que niveau PVE je vais commencer enfin à m'améliorer. Ok on est carrément cerné. Je vois pas ce qu'il faut récupérer hein. Je me sens vraiment nul hein. Je me sens complètement largué les amis.
Il y a forcément quelque chose à récupérer. Bon. Des cordes, bah oui, t'es bien mignon, mais je peux pas en porter plus. On fait un dernier tour, et puis je pense qu'après on va s'éloigner à nouveau. Peut-être, parce que là-bas il y a une grotte aussi, là. On va aller vers la grotte. Bon, écoutez, je sais pas à côté de quoi on passe. Si vous avez des idées en commentaire, je suis bien preneur. Profitons du paysage, en tout cas, parce que là, c'est la Haute-Savoie. C'est magnifique. Oh, cet endroit est magnifique. D'accord. Eh ben, c'est vraiment chouette. Et cette partie de la map, on l'a pas encore faite. En fait, c'est vrai qu'on avait que un côté de la map là, un côté de la montagne. Et là, on a une deuxième partie de la montagne. Mais par contre, là, on est sur une plaine dégagée. C'est parfait. Ici, c'est parfait parce qu'on arrive à voir s'il y a des ennemis ou pas. Par contre, va falloir se détendre, les amis. Hein. Je veux bien descendre, mais là. Allez, hop, on y va, on descend. Je me chie dessus toujours autant. La caverne. Ouais, parce qu'il y a une plage aussi de ce côté-là, hein, j'imagine. Enfin, j'imagine, je le vois sur la map, là. Il y a de la plage tout autour. Donc profitons-en, on est des vagabonds. On n'a pas de... Enfin, si, on a construit une petite maison, le début d'une maison, mais on n'a pas de vraie base, quoi. On a tout sur nous. On est des brouillards, quoi. Donc il n'y a pas d'histoire de on doit rentrer à la maison, etc, etc. Allez, on va aller voir du coup la grotte là, je pense. Ou alors suivre le cours d'eau, je sais pas quel est le mieux. Aller sur la plage ou pas. Aïe, aïe, aïe. Au pire, la plage, elle est à côté. Enfin, je sais pas. Ah non, la grotte, elle est à côté, on y va. On va à la grotte et on descend à la plage pour voir. Waouh. Bon les amis, j'espère que ça vous fait kiffer. Là je vous fais un épisode vraiment bien plus long. Avec du coup là en l'occurrence je crois qu'il n'y aura pas eu de cut jusqu'ici. Parce que tout a été assez fluide jusque là. Donc pas de cut. Et donc j'espère une... Parce que à la précédente vidéo j'ai tourné pendant 1h15. Et au final la vidéo a duré 30 minutes. Donc je me suis fait avoir moi même Donc là je vais essayer de vous faire vraiment un épisode d'une heure à peu près. C'est toujours sympa. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça craque sous les pieds quoi. Ah mais là la grotte. Let's go. C'est ça ce qui est bien, c'est la réactivité du jeu. Je spamme depuis tout à l'heure la lumière, rien ne s'allume. Bon là vous voyez tout de suite j'ai chaud. Je n'ai plus froid. Et ça c'est chouette. Où c'est qu'on va là? Oh là. Oh là monsieur. Tout va bien? Vous passez un bon moment? Bon bah c'est superbe. Du tissu, la corde on en a trop. Très bien. Bah attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va crafter des nouvelles bombes. Alors il faut ça, il faut ça, il faut ça. Ça, non, je suis pas sûr. Si, c'est ça. Ça, ça, non, pas ça. Ça. La montre? Non, pas besoin de montre. Pile. Il faut quoi? Il faut des pièces, hein, il me semble. Hein. Ça, c'était la base. Ah, circuit imprimé, non, j'ai déjà mis. Eh bah, ben, c'est superbe. Là, des pièces. Non, il n'y a pas besoin de pièces. Qu'est-ce qu'il faut? Il me manque quoi, là? Bon, c'est bien, au moins, il nous montre ce qui manque. Bombe à retournement. Mais si, il manque 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Quoi? Ok, montre. Si, il faut une montre. Et voilà. D'accord. Bon, ça devrait aller. On va quand même retenir suffisamment. Pas facile hein, tout ça hein. Donc en gros il faut du... Bah j'ai plus de C4. Donc comme ça la faire... Ah si. Donc C4, circuit imprimé, pile, montre, pièce, Shatterton et fil. Rien que ça. Il manque un truc encore. Excusez-moi, il manque bah, il manque des pièces encore. Non, complet. Ok.
Qu'est-ce que tu me racontes là? Attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est la folie là. Bloc de C4. Circuit imprimé. Pile. Pièce. Voilà. Montre. Fil. Shatterton. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Et il me manque. Bombe à retardement. Pièce x5. Ah, j'en ai mis 4, pardon. Hop. Voilà. Bon, je suis un peu à l'ouest, hein. Vous m'excuserez. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est fait. Normalement, on a tout liquidé. Et encore, mais non, mais c'est pas vrai. Je peux continuer, donc. Allez. Ah bah non, j'ai plus de circuit imprimé, voilà. Il me refaut du circuit imprimé. Chose que nous n'avons point ici. Très bien. Allez, bah vous savez ce qu'on va faire. Oh, bah là, il faut casser, à mon avis. Ok, alors regardez ce qu'on va faire. Par contre, là, je suis trempé. Je suis trempé, il y a de l'eau partout. Donc là, je me mets ici sur le rebord. Je prends un petit bâton, je veux me faire un petit feu parce que là, on va s'installer. Mais c'est vrai, en fait, c'est ça qu'il faut profiter. Petite astuce au bout du 7ème épisode, sachant que même moi, je suis en galère. L'astuce, c'est de trouver une grotte safe pour s'installer plutôt qu'une maison. Parce que regardez, là, personne peut venir m'embêter. Là, je peux me mettre safe sans aucun problème. Voilà. Alors, la vraie question. Mince. La vraie question, c'est de savoir est-ce que je peux poser ma tente ici ou pas. Et la réponse est oui. Et ça, c'est beau. Du coup, là, on est safe. Bon, là, dans la vraie vie, ça cramerait. Alors, est-ce que ça va cramer? C'est une bonne question. Ah non, c'est pas fait pour cramer, ce tissu-là. Je suis bête. C'est fait exprès, justement, pour se protéger des incendies. Ok. Bah, écoutez. Messieurs, dames. Il est l'heure de voir si notre confection a porté ses fruits. On va faire péter ça. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. On voit rien, mais je suis prêt. C'est parti. Hop là. Ah. Ça a bien marché. Je recommence. Oh non, je me suis bloqué. Oh, c'est pas vrai, je suis bloqué. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah, voilà, bon, vous avez rien vu les amis. Et je vous assure que non seulement, alors ma première mort officielle, mais on va fermer les yeux par rapport à ce qui s'est passé parce que voilà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que entre temps, j'ai encore eu un autre bug. J'ai eu un autre bug, les textures tout autour avaient disparu. Et c'était très bizarre, bon bref. Soit, donc bah, c'est bien, tout a respawn là. Hop là, ni vu ni connu, je prends. Hop, je reprends du tissu, c'est gratuit. Et des pièces aussi, j'aime bien les pièces, j'adore l'argent. Bon, du coup, visiblement, ça se casse même pas ici, hein. Est-ce que dans l'accès rapide, j'ai au moins accès au dynamite? Même pas, hein. Même pas, hein. Ah, c'est abusé, ça, hein, de devoir faire ça, ça. Allez, on recommence. On va éviter de crever. Ouais, je pense que ça marche pas, hein. Attendez, je vais pas me bloquer et je vais remettre. Et je me barre, vite. Ok. Bon, j'ai gâché de la dynamite. Mais c'est pas grave. Ok, en fait, c'est un cul de sac. C'est un cul de sac. Mais alors, vous voyez, moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai cette chance-là de... Les seuls endroits que je découvre durant cette aventure, c'est des endroits qui servent à rien. Et ça me fascine. Parce qu'on est d'accord que j'ai rien récupéré ici, là. Je n'ai rien récupéré ici. À part le fait que c'est safe. Là, j'ai une safe place. Ça, c'est vrai. Ça, on peut le dire. Bon. Bah ma foi. Écoutez, je sauvegarde une dernière fois. Je récupère ma bâche. Parfait, je l'ai récupérée. Et puis bah, on va sortir directement. Et on va aller à la plage. Parce que la neige, ça va 2 minutes. par contre, je sais pas quelle heure il est, mais... Voilà. Magnifique. C'est beau. Hein. Ok, Calvin. Eh, Calvin, il m'attend tranquille. Hop, ouais, on va aller... Ouais, il y a de la plage là-bas en fait, hein. Oh, c'est chouette. Ça va mon ref? La vie est belle. Allez, on y retourne. Au boulot. Mince. Ouais, donc le point d'intérêt là-haut, le village, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis... Là, je... Va falloir m'expliquer en quoi c'est un point d'intérêt. Parce que tout à l'heure, on avait croisé un autre village, du coup, on n'a pas osé aller dedans. Mais c'est la même chose, quoi. On n'a rien récupéré, à moins qu'il y avait quelque chose aussi de caché, mais...
J'ai eu beau faire le tour, j'ai rien trouvé. Alors c'est un petit peu curieux. Bon. C'est comme cette grotte. Alors à la limite, cette grotte, je me dis qu'elle est sympa parce que ben c'est un petit coin safe. Et justement, il y a un squelette sur une chaise. Et ce squelette doit, à mon avis, on comprendra qui c'est peut-être par la suite, je ne sais pas. Mais alors pour le point d'intérêt, il faudra me dire en quoi il était intéressant. Bon, là ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir longer la plage. Et nous, on vient de là-bas. Hein. On vient de là-bas, donc c'est-à-dire qu'il y a toute cette partie là-bas et là qu'on connaît pas. Non mais c'est fou, la map est grande en fait. Elle est pas gigantesque non plus, mais suffisamment grande pour nous faire marcher, ça c'est clair. Et là vous voyez, si on avait un radeau, ça aurait été incroyable. Parce que là, regardez comme le jeu est bien fait. Est-ce que je peux jeter un bâton? Ouais, regardez. Ah non, j'ai pas pu le jeter. Est-ce que je peux jeter un truc? Ah, j'aimerais jeter un truc. J'ai pas une balle, un truc comme ça? Ah, c'est vrai que j'ai un pistolet à grappin maintenant. Là, les petits cailloux, là. Ouais, non, bah non, ça marchera pas. Bon, j'ai pas de balle, dommage. Mais normalement... En tout cas, si tu coupes un arbre, les bûches, elles vont tomber et aller jusque tout en bas. Donc, c'est vraiment stylé. Oui. Ah mais c'est rien, ça c'est l'armée ça. Ah, ça c'est embêtant. C'est l'armée, ils font leur footing. Bon, laissez-moi tranquille là. Comment ça suffire hein. Comment ça suffire vos conneries hein. Ce qui est bien avec les traces de neige, c'est qu'ils savent où c'est que je vais, où c'est que je suis. Ils peuvent me suivre sans aucun problème et ça c'est terrible. C'est absolument terrible. J'ai plus de boisson énergétique en plus, donc vraiment c'est pas le moment. Oh, ils me suivent les salauds. Je les ai vus au loin. Ils continuent de me suivre. Alors Kelvin il est à l'opposé, mais c'est pas bien grave. Oh purée, j'aime pas ça du tout. En fait on passe notre temps à fuir et on n'a pas le choix quoi. Alors de temps en temps on peut combattre, mais là ils sont... Oh putain. Des cannibales cachés dans les feuilles frère. Ça m'avait pas manqué du tout ça. Vraiment hein. Cannibales, mutants et différents types d'indigènes. Rien que ça. Franchement hein. Ça suffit hein. Ah mais il y a de la neige aussi en bord de mer là. Ça c'est pas nice hein. Par contre j'ai pas froid. Et ça c'est chouette. Ok. J'espère que Kelvin il est pas trop en galère. Bon, où c'est qu'on est là? Bah, dis-moi que cet endroit il sert à quelque chose au moins. Franchement, hein, là on va longer la plage tranquillement, mais. Dans Bretagne ou quoi? Très joli. Très 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 joli. Je me sens quand même plus en sécurité hein, près de l'eau. Ça c'est quelque chose, c'est réel hein. Je me sens beaucoup plus en sécurité ici, alors forcément. Eh, hey, c'est chouette. Là, en vrai, bon, on est. Pareil, là, je pense pas qu'il y ait de points d'intérêt, tu vois, il n'y a rien à faire. Mais on a les arbres juste au-dessus. Là, tu rases tous les arbres qu'il y a là-haut. Tu te fais une installation contre les rochers, là. Et t'es safe comme jamais, hein. Parce que si vraiment tu paniques, tu vas dans l'eau. Normalement, les mutants, ils viennent pas dans l'eau. Enfin, ni les indigènes, ni rien, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je vais marcher un peu dans l'eau. Ça renforce le système immunitaire. Je suis full en pierre. Ah, j'aurais pu jeter une pierre tout à l'heure. Bon, Kelvin, il continue d'avancer. Hein. On voit la trace bleue derrière lui. Donc, à partir du moment où il y a une trace bleue derrière, c'est qu'il marche. Et s'il marche, c'est qu'il va bien. C'est la moralité de l'histoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre copine. Ça, c'est normal. Hein. Forcément, on fait que de la fuir, là. On devrait la retrouver... prochainement. Et il est 16h. Salut à toutes et à tous, il est 16h. Je regarde s'il n'y a pas des trucs dans l'eau, non, c'est bon. Ouais, c'est marrant que j'ai pas froid quand même là. Oh. Et c'est vraiment joli. Hein. Les petits détails comme ça qui font tout. Ok, Kelvin il est en train de couper par la forêt, il a bien raison. Moi je préfère passer par là. Là au moins tu vois, il n'y a pas de cannibales cachés dans les feuilles. À moins qu'il y ait un cannibale caché derrière ces trucs là. Y'a rien là sans déconner. Genre là y'a toute une étendue de plage.
Alors justement, on peut construire des trucs sympas, je pense. Mais t'es en train de me dire qu'il y a rien. C'est pas possible. Waouh. Par contre, vivement l'été, hein. Alors si on suit la logique, ça dure 10 jours les saisons, non? Si j'ai bien compris. On avait 10 jours de... 10 jours de joli. Au bout de 10 jours, on avait de la neige. Donc je pense que... Waouh. Non, s'il vous plaît. Eh. Hey. Screenshot, hein. C'est du photoréalisme x 1000. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, attendez. Ah non, je croyais que c'était des radeaux à l'envers. Que dalle. Non mais, eh. Prenez-en dans la figure. Eh, j'espère que vous avez la qualité à fond, hein, ceux qui regardent mes vidéos. Hein. Je fais mon maximum pour vous offrir la meilleure qualité, justement, que je peux faire. Ah, une pagaie. Eh ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Oh. Fusée éclairante. Oh non, c'est pas vrai. Non, non, non. Range-la. Ça va bien se passer. Fusée éclairante. Très bien, d'accord. Bon, ce sera déjà ça. Il s'en passe des choses sur cette île quand même, hein. Oh ouais, il s'en passe des choses. Bon, donc si on continue par là. Là, en plus, on a un chemin apparemment dans la forêt. Eh, mais par contre, tu m'enlèves la neige, là. Et je m'installe ici. Ou peut-être plus loin. Cette partie-là de la map, elle est géniale. Parce que pile de l'autre côté, les amis, souvenez-vous, là où on a commencé l'aventure, bah on était dans les rochers, loin des arbres, il fallait faire du chemin, quoi. Là, on est au bord de l'eau, c'est très vaste, et les arbres sont à côté. Là, franchement, je m'installe, hein, les amis. Hein. Mais genre pour de vrai, hein. C'est-à-dire vous faire des vraies constructions, quoi. Ah ouais. On va continuer parce que là-bas, la plage, elle est encore plus grande. Parce qu'on est très en pente. Mais ça commence à me plaire cette histoire. Ça commence à me plaire. Oh oui, non, là-bas il va y avoir quelque chose. Là-bas il y aura forcément quelque chose d'intéressant, les amis. Oh. Bon, pareil, hein. Je vais me permettre de ranger et de faire un petit screenshot. Pff. Non mais, eh, on dirait, tu sais, dans un, on dirait pas genre à Disneyland. Mais aux États-Unis, et il y a une montagne russe là-haut, dans le canyon un peu, tu sais. Ouais, bon, bref, je suis dans mon délire, les gars. J'essaye. Eh, quand on fait de la survie, des fois, c'est un peu la folie. Mais non. Mais attends, mais c'est ma copine. Mais c'est un truc de malade. C'est trop romantique. Oh, on va se pécho. Coucou, madame. Hop, un petit screenshot. Tu m'as suivi, c'est adorable. Non, c'est vraiment adorable. Alors je sais pas comment faire pour qu'elle me kiffe. Je vais arrêter de bouger. Elle vient de me poser un truc par terre, mais oh, elle m'a donné une myrtille. Oh. Non, attendez, c'est trop ce qui se passe. On est potes ou pas? Oh non, il y a des cannibales là-bas. Il y a des cannibales. Merci madame, hein, c'est gentil. J'aimerais bien te donner quelque chose. Ça y est, les potes avec moi. On dirait les potes avec moi. Ça va? Oh. Je peux lui donner quelque chose. Je peux vraiment lui donner quelque chose. Mais je peux rien te donner. Je peux rien te donner. Je suis tellement désolé. Elle vient de me faire des fucks là. Attendez, elle vient de me faire des fucks. Ok, je vais te défendre. Je vais te défendre, nana. Ouais, je l'ai vu, t'inquiète. Tu touches pas à ma copine. Ça y est. Allez, tu dégages. Il y en a un deuxième, je crois, hein. Oh purée. Non mais regardez comme il se relève. Non, tu te relèves pas. Mais tu te relèves pas. C'est pas vrai, ça. Allez hop. Par contre, Calvin il va être jaloux. Calvin il va être jaloux. Non, mais c'est un truc de ouf. J'ai pécho la madame. Elle a plus peur de moi. Et je peux lui donner quelque chose. Mais je n'ai rien à lui donner. Je suis tellement déçu. Je suis désolé. Viens, on continue de se promener, madame. On va se promener main dans la main parce que je veux continuer mon épopée là-bas. Oh, c'est génial.
Par contre là le soleil se couche. Alors je serais bien tenté de dormir là en... Ouais, en vrai là c'est safe hein. Oh, elle s'est assise là-bas. Eh les gars, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parce que plus loin ça risque d'être plus compliqué. Alors dans la vraie vie là on aurait très très froid. Heureusement, heureusement on s'en fout. Superbe. Et elle est pas venue me faire des gâteries. Eh c'est bon les gars. Eh ça fait une heure là que... Laissez-moi être un petit peu en roue libre hein. Voilà. D'ailleurs j'ai faim. Alors attendez, on va manger nos petites myrtilles là. Hein, parce que les trucs énergisants, je veux bien, mais il faut quand même pas... Il faut doser. C'est pas bon de manger trop de trucs énergisants. Là aussi ce que je vais faire, je vais prendre cette lance. Et comme ça, si jamais il y a des tortues... Ah mais il y aura pas de tortues vu qu'on est en hiver. Il y a peut-être des poissons. Là si on pourrait avoir du poisson, ce serait vraiment chouette. On va se faire choper le pied par un requin, mec. C'est vrai que ce serait chouette. Mais c'est très reposant d'être là, hein, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, par contre, là, il neige. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très, très chiant. Bon, en tout cas, on se rapproche d'un point d'eau. Donc, si jamais on peut boire. Est-ce que toutes les entrées de grotte sont marquées sur le GPS ou pas? Parce que là, on dirait bien qu'il y a une grotte, là, non? Ah! Ça c'est un petit peu gênant pour lui ça. Ça c'est pas pratique. Ok. Non c'est pas une entrée de grotte en fait hein. Et depuis tout à l'heure, des fois j'entends vraiment mon GPS faire des bip bip. Et c'est pas partout. Très bizarre. Bon on va boire. Ah. Ah. Je redescends. Il y a des bruits que j'aime pas trop. Et je préfère largement avoir froid et être visible. Mais avoir une belle visibilité. De toute façon, on n'a pas à se cacher. Les méchants, ils savent que je suis là. Bon bah c'est pas grave, on va continuer par là et puis on va boire un baking soda. Attendez, on a pas un petit soda? Oh, on a de l'alcool au pire. Allez, à consommer avec modération. Ah, on peut pas boire. Genre on peut pas boire. Bah d'accord. C'est pas grave, il y a un point d'eau à côté là. Il sera bien mieux. Là il y avait rien là, on est bien d'accord. Ouais. Ok, 7h45 du matin. Ça, ce qui est bien, c'est qu'au moins on va avoir toute la journée devant nous. Le soleil se relève tranquillement. Mais c'est vrai que là, c'est compliqué là en hiver aussi, quoi. Parce que du coup, il n'y a pas d'animaux. Enfin, les animaux faciles. Hein. Je veux dire, le gibier, ok, mais va chasser du gibier là. Là, je veux des petits poissons. Sauf que le problème, c'est que l'eau est gelée. Alors, j'imagine qu'on peut faire du feu et ça devrait dégeler l'eau. C'est pas improbable. Mais bon déjà on va aller au point d'eau, on va bien voir ce qui va se passer. Attends, en vrai les gars on fait le tour de la map. Et on a fait que la moitié du tour là. On a fait la moitié du tour, rendez-vous compte. On n'a pas vraiment fait le tour. Là, pile en face, c'est là où on était installé au tout début. Grosso modo hein. Est-ce que... Vraiment, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Il y a des bruits très effrayants, vraiment. D'accord. On essaye des trucs. Si on allume le feu, là. Hop, on met quelques billets. C'est ça la vraie question, c'est... est-ce que ça va faire fondre? Ah mais c'est vrai que j'aurais pu utiliser mon masque tout à l'heure contre les mecs en rouge. Va falloir qu'on essaye ça. Oh purée. Pas l'impression que ça marche.
J'ai pas l'impression que ça marche. Ah, Calvin arrive enfin. On va retourner là. Bon. Là, il faudrait vraiment boire. Et ça, c'est terrible. Bouteille de vodka. Croquant. Qu'est-ce que je peux boire? Qu'est-ce qu'il y a? What? What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? D'accord. Non, en vrai? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Sans déconner. J'ai pas compris là. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Voilà, ça y est. Ça, c'est le genre de truc qui m'angoisse. Quand le jeu décide de faire le rebelle. D'accord, je me suis fait kicker. Pourquoi pas. Allez, on se réchauffe. Donc je veux manger ça là. Ça c'est, ça rajoute du liquide un peu aussi, non? Pas du tout. Les baies bleues, c'est bien pour le liquide, non? Voilà. Ça c'est pas bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mange. C'est très bien ça. Je peux pas tout manger d'un coup, genre? Ah ouais. C'est très agréable, vraiment. Je passe du bon temps. Oh, je sais, les conserves! Les conserves! Bien sûr! On va l'ouvrir. C'est de la pâtée pour chat. Dans la pâtée pour chat, il y a du liquide. Je le sais, j'ai eu un chat. Je suis un génie. Ah. C'est déjà ça, hein. What? D'accord. Bon, en tout cas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Peut-être un bug du jeu. J'ai peut-être été kické par quelque chose. J'en ai absolument aucune idée. Vous avez froid, vous êtes trempé. Oui, 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 oui. Oh, ça va. On est où là? On est dans des marécages. Ah, je pourrais aller en face. Ouais, elle est en face. Vas-y, j'y vais, j'ai pied. Ah, j'ai pas pied. Y'a pas de poisson là? Mais attendez. Ah, ça fait du bien quand même, hein. Ça rafraîchit, hein. Ah, ça, ça rafraîchit, je vous le dis. Là, normalement, si je ressors de l'eau, j'ai chaud, hein. Et je peux boire là, normalement, non? En vrai, je suis pas censé pouvoir boire là? Normalement, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Non, je peux pas boire, d'accord. Eh bah, je suis dans la merde, c'est très bien. Je déteste l'hiver, ça y est. J'étais content au début. Je le suis un petit peu moins. Hop. Ce qui est bien, c'est que ça redonne un peu de liquide, ça, quand même. Puis au pire, tu veux pas boire la neige? Sois pas débile. À un moment donné, je veux dire, si t'as soif, t'as de la neige partout, frérot. T'as juste à manger de la neige. C'est vrai, en plus, hein. Surtout si t'es dans... si t'es au bord de mourir sur une île, frère, mais mange la neige, frérot, fais pas chier. Ah. Non, c'est bon, j'ai cru que je m'étais trompé de baie. C'est pas si ouf que ça, cette plage, hein. Et là, on a un grand point d'eau là-bas. Avec une caverne et un point d'intérêt encore. En fait, on les aura tous fait, les points d'intérêt. Oh, ça y est, il refait beau. Chouette. Bon, les amis, c'est vraiment un épisode balade, là. Pour changer. J'espère que ça vous plaît. N'empêche que c'est très joli quand il y a le soleil. C'est plus joli quand il n'y a pas de neige, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On va couper parce que... je pense pas qu'il y ait quelque chose là, hein. Oh, c'est pas vrai. Alors attendez, 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 attendez. On est ensemble là, non? Il va m'attaquer ou pas? Ils s'en battent les steaks. Je crois qu'ils s'en battent les steaks. Ils s'en battent les steaks de mon masque, hein. Ah ouais, ils s'en foutent complet de mon masque, hein. Bon, allez, je me barre. Oh mon dieu, salut frère, ça va? On n'est pas ensemble.
Eh, fous-moi la paix. Je ne vois rien. Heureusement, il n'y a pas de sanglier. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sanglier sur le jeu. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a ou pas? Le fait est que si on avait, on serait encore dans la merde. Et là, il n'y en a pas. Et ça, c'est cool. Allez, le point d'intérêt. Et là, va falloir une pelle, tu sais. Alors, s'il faut une pelle, par contre, je rage quitte. De toute façon, on va bientôt s'en arrêter là parce que ça fait un long épisode là quand même. Ah, bonjour les cannibales. C'est une grotte. Allez, je rentre dans la grotte. Salut, bande de losers. Là au moins on va pouvoir se mettre bien, peut-être. Ou pas. Ok. Ok. Il y a de l'eau qui coule. Oh non. Oh là là. Ok, on est de retour dans une salle... Oh purée. On est dans un laboratoire, je monte. Oh purée, on est dans un laboratoire. Ok, donc là-haut c'est fermé. Là on a des poubelles. Une porte où tout est éboulé, tout s'est écroulé, très bien. Et là si je descends, je vais me chier dessus. Une porte et une carte magnétique qu'il faut. Allez hop là, c'était pas l'appel qu'il faut, c'est la carte magnétique. Sachant que la carte magnétique, il faut l'appel, si je dis pas de bêtises. Bon bah voilà, ça c'est fait. Merci à tous, on peut ressortir. Allez, bonsoir. Ah bah c'était bien sympa. Bon, on va en profiter pour se poser là. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire, décidément. Ah là là. Une petite lumière, non, très bien. Merci beaucoup. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode les amis. On aura fait le tour de la map. On n'aura pas découvert grand chose de foufou. Mais vous allez pouvoir m'aiguiller en commentaire pour certaines choses. Parce que là, je me pose de drôles de questions. Et j'espère qu'on va pouvoir boire très vite. N'oubliez pas le pouce bleu les amis. Et on se retrouve pour le prochain épisode. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.